Tous les supporters du Barça, on apprend que Ilias Moriba, qui est sous contrat jusqu'en 2022, qui avait refusé de prolonger avec le Barça et qui avait le seul contrat d'un million d'euros, de plus d'un million d'euros, en étant joueur de la Masia, est en route du côté de Tottenham, malgré un concurrent de la Chine. Le Barça réclame 20 millions d'euros, mais avec la vente de Moussa Sissoko et le départ de Tanguy Ndombele, ça pourrait se faire. Quant à Arjen Busquets, si nous calmons foot, il avait évolué à la Masia et au Barça B. Il était libre de tout contrat. Et signe jusqu'en 2023, il avait évolué avec la réserve 67 matchs. Et deux buts et une passe décisive et a connu deux apparitions en Coupe du Roi sur Ernesto Valverde, tandis que Wijnaldum, qui est revenu sur son transfert avorté au Barça, et a déclaré alors qu'il était à deux doigts de rejoindre le Barça. Il est allé au PSG, il a déclaré: je ne vais pas dire que je regrette, moi, l'échec de l'opération au Barça avec l'arrivée de Messi au PSG, car c'était avant mon ressenti de venir ici. J'ai eu la chance de voir Messi arriver, mais c'est surtout les négociations avec Barça qui tardait, et avec Paris, c'est allé beaucoup plus vite quand j'ai discuté Leonardo. Avec Leonardo, alors d'autres clubs me voulaient. J'ai senti que le PSG me voulait vraiment, je vraiment aimais le projet présenté, et c'est pour ça que je suis aujourd'hui au PSG. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.